Donc voilà, donc bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette présentation, enfin sur ce tutoriel plutôt, d'une cheminée secrète. Donc il y aura deux vidéos concernant une cheminée justement. Donc on voit justement cette première où cela concerne un passage secret, et on verra dans une prochaine vidéo une cheminée justement qui cuit vos aliments en l'espace de quelques secondes. Donc maintenant une cheminée dans Minecraft peut avoir un aspect utile, pratique, simple, enfin bref, autre que décoratif. Donc on commence donc par celle que je vous ai présentée, celle en passage secret. Donc c'est très simple, en fait derrière la table de craft, ici on a un minecart hooper, donc du coup qui va absorber les objets à proximité. Et en fait comme du coup la hitbox du minecart rencontre un peu le bloc, on peut cliquer à travers le bloc et du coup cliquer dans le minecart. Donc quand on va mettre l'émeraude, le système va s'activer. Ici donc on a la netherrack, oula pardon, qui descend. Évidemment si je... pardon désolé. Il faut bien cliquer dans le coin. Voilà. La netherrack descend, la flamme s'éteint. Et quelques temps après, le temps de passer, tout se remet en place. Donc il est vachement simple à faire. Donc on se retrouve à tout de suite pour le tutoriel. Donc on se retrouve pour le tutoriel. Donc tout d'abord on va commencer par faire le double piston extender, donc il va nous servir justement à rétracter la netherrack et à libérer le passage justement. Mais tout ceci au fait, ça serait beaucoup trop simple, on va justement faire en sorte que on puisse cliquer à travers la flamme grâce justement à l'aide d'un four. Donc c'est à dire qu'on aura le four derrière, la netherrack devant, et grâce à la flamme donc le four va être caché, et donc du coup en cliquant dans le feu on va arriver sur l'interface du four et pouvoir cuire les aliments grâce à la cheminée. Alors un four, c'est, il y a quand même un désavantage majeur, on ne peut pas le déplacer, c'est un bloc indéplaçable, donc c'est pour ça qu'il va falloir modifier un peu un aspect, on va dire, esthétique de la cheminée. Donc bref, on commence. Alors il vous faut donc une slab, un demi-bloc quoi. Alors ensuite donc ça on a, bloc de redstone, slime block, et il nous faut aussi la netherrack. Oh bonjour, un cadeau. Ah ouais, effectivement, on est le jour de Noël, donc forcément ça... Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Forcément ça fait un peu bizarre. Alors, voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais direct chercher le truc, comme ça va aller plus vite. Voilà, le bloc. Et des blocs normaux. Donc on va commencer par poser le piston. Donc vous posez deux pistons ici comme ça, et un autre piston ici. Visualisez bien la chose, on met donc la demi-bloc là et la netherrack ici. Donc ça on n'a plus besoin. Maintenant donc on va prendre des blocs normaux et on va commencer à construire le double extender. Donc on va se prendre ici en diagonale au niveau des deux pistons, on va poser une torche de redstone. Donc qui va alimenter le premier piston, on va poser un bloc au-dessus pour alimenter les deux en même temps. Donc par la suite on va créer un petit escalier comme ceci. Oups, évidemment ça va pas trop le faire. On met donc un repeater. Une, deux poules. Pardon, c'est pas la peine de créer autant de trucs. Voilà, comme ça, ça suffit. On crée, donc on met une poule de redstone ici. Et en dessous, on va venir récupérer le signal par une autre poule de redstone. Donc j'allais oublier, ici on repose un bloc pour poser une poule de redstone pour justement corriger la rétractation. Car si on pose pas ça, au fait, les deux pistons se rétractent pas trop bien, et en fait ça fait foirer tout le système. Donc par la suite, ici, on va mettre un repeater et on va créer notre impulsion. Donc on crée une petite impulsion ici, un pulse limiter, classique, que du classique. On va la sortir à deux tics. Et ici, c'est là où il va falloir, comment expliquer, le slime block et le bloc de redstone. Donc c'est pas obligatoire, hein, cette façon dont je fais le double piston extender, vous pouvez la faire d'une autre façon. Hein. Bon, voilà, ça change un peu, on utilise d'autres blocs que d'habitude. Là on peut dégager, hop, on utilise un slime block et un bloc de redstone. Alors, hop, ici donc il va falloir donc poser un four ou un bloc qui n'est pas possible de bouger avec le slime block. Vous allez voir pourquoi. On va poser donc ensuite un repeater. Donc en fait, quand du coup le bloc de redstone va être ici, on va recevoir l'impulsion ici. Ce bloc là va monter, qui va faire monter le bloc de redstone. On va recevoir encore une impulsion ici et on va la récupérer donc à deux tics pour alimenter un deuxième piston avec un deuxième bloc de redstone
qui va faire en sorte de rétracter en fait la deuxième partie du double extender. Ensuite, donc là je sais pas si vous avez eu le temps forcément de bien voir, donc je vous laisse regarder. Voilà, comme ceci. Pierre, vous pourrez mettre pause dans la vidéo. Ici, donc c'est important, on va poser un bloc juste ici, donc à côté de la poudre de redstone allumée, pour récupérer ce signal par un petit repeater, ici comme ceci. Donc hop, vous voyez, on récupère le courant qui est là par ce bloc, par ce repeater, pour pouvoir alimenter ce piston. Hop, voilà, comme ceci. Donc les deux doivent être... oula, j'ai peut-être... Oula, pardon. Putain, mais à chaque fois je mets mal le... Pardon, désolé, hein, à chaque fois je mets mal le piston, c'est au-dessus qu'il faut. Voilà, c'est... Excusez-moi, c'est bien au-dessus qu'il fallait... alimenter le piston. Voilà, il faut que ça vous rende il faut que ça vous donne un résultat comme ceci. Donc la slab quoi, c'est juste à côté de la netherrack. Ça va être l'apparence en fait externe de la cheminée. Et donc du coup après quand on va alimenter en fait le double extender, normalement il doit fonctionner, on alimente, voilà. Donc voilà, donc on se retrouve donc maintenant on a notre double piston extender qui est fait, on va dire. C'est la partie la plus compliquée de la cheminée, hein. Donc on vérifie bien, ça se rétracte bien, voilà, c'est magique. Alors maintenant donc on va construire un peu l'aspect esthétique de la cheminée, hein, donc l'extérieur. Donc on va poser deux petits demi-dalles. Ah voilà, j'ai retrouvé le nom, des demi-dalles. D'ailleurs ça n'a pas de sens en fait, parce qu'une dalle normalement c'est pas un bloc entier, enfin bref. Alors où sont ces foutus blocs, voilà. Donc on va prendre des blocs, enfin c'est que l'esthétique là, on va pas chercher à aller plus loin. Hop, ici comme ceci. On va prendre ensuite encore une fois une demi-dalle. Et en fait c'est là où il y a la magie du système. Vous allez poser, pour expliquer, ici on peut recouvrir, hein. Hop. Donc en fait ça va vous rendre en fait cet aspect là de l'extérieur. Ici donc à la place de ce bloc, donc le bloc de fond de la cheminée, on va poser un four. Alors c'est là où il y a, je trouve ça énorme en fait, c'est vraiment pas mal. Donc par exemple quand on va prendre un petit briquet, allez, on va chercher un petit flint ici, on prend un petit briquet. Voilà, donc oui, là on voit un peu le four, si on cache, vous voyez que là, à cause de la fumée et des particules, donc il faut bien avoir les particules activées, parce que si on n'en a aucune, c'est vrai qu'on voit pas mal le four. Mais vous voyez que quand on a un bloc au-dessus, du coup comme il y a de la fumée, et ben on voit presque pas le four. Il faut vraiment bien s'approcher, regarder un peu comme ça, là effectivement on voit un peu. Et justement, du fait qu'on voit à peine le four, quand on clique dans le feu, on a cette interface de four. Donc qui permet de cuire les aliments. Donc après vous pourrez renommer le four en cheminée si vous voulez, hein, comme j'ai fait dans la présentation, pour que ça fasse un peu plus réaliste. C'est vraiment sympa, ça donne un petit côté pratique à la cheminée. Voilà, franchement je sais pas, je trouve ça vraiment pas mal. Donc voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie de ce tutoriel, la mise en place en fait de, comment expliquer, du réallumage de la flamme. Car effectivement donc quand on active le passage secret, hop, donc la netherrack se rétracte, donc ça c'est bien. Et du coup quand on remet en place, bah il n'y a plus de feu. Et à la base d'une cheminée, bah il faut toujours qu'il y ait du feu. Bien sûr. Ah vous êtes sérieux là? Je me suis cassé la gueule comme une grosse merde. On va remonter sur la petite plateforme. Voilà. Donc vous allez prendre un dispenser que vous allez placer vers le bas. Ça va être chiant parce qu'il faudra casser la netherrack. Hop, ici. On ressort, on place tout. Donc vous placez un dispenser vers le bas et on va continuer le système pour faire en sorte que ça donne une petite impulsion lorsqu'on fait, comment expliquer, lorsqu'on referme le passage. Donc on va prendre un bloc quelconque et on va revenir ici. Donc c'est là, ici en fait on va comment expliquer, reprendre une impulsion. Donc comme justement c'est ouvert, c'est à dire que l'impulsion c'est déjà faite. Donc qui est du feu, donc c'est à dire qu'il faut, il faut pas inverser le circuit, il faut que ça soit, il faut que l'impulsion soit déjà allumée, hein. On va la ressortir à deux tics comme d'hab, on n'a pas un truc à deux tics. Et ensuite donc c'est là où on va monter le truc, faire en sorte en fait que ça s'alimente ici. Donc on va déjà faire le petit mur comme ceci, notre cheminée, on va montrer bien là, c'est quoi, on va le faire carrément comme ça, comme je l'ai fait direct. En fait c'est bien de la faire ressortir, je trouve que ça donne un petit peu un petit côté un peu plus naturel en fait.
Car si elle est complètement ancrée dans le mur, on se doute qu'il y a un petit système planqué. Alors que là, quand on le ressort bien, bah, on n'a pas trop l'impression. Enfin, bien sûr, ici, oui, parce que il n'y a rien à doute que la cheminée. Mais si vous décorez la pièce, franchement, ça passe vraiment crème. Alors, il faudra alimenter ici le petit dispenser. Donc, on va prendre deux petites poules ici. Et donc là, il va falloir monter notre signal. Donc, hop, on met un petit fil de redstone. Et on fait monter à l'aide d'un petit jeu de torches. Et vous voyez, ça passe pile poil derrière le mur. C'est exactement ce qu'on veut. Hop, et on relie ceci à notre dispenser. Ici, on va mettre... pourquoi j'ai un four ? Et pardon, c'est là. On va mettre notre petit briquet. Donc, on pourra facilement recharger ça. Hein, ça pas de problème. Hop. Donc, on va se remettre en face de la cheminée. Vous voyez qu'en cliquant, on peut très bien y avoir accès. Et donc, du coup, maintenant, si on teste... Alors... On active le passage secret. Donc là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, donc on va le, comment on dit, qu'on va le refermer en fait, qu'on va refermer le passage. Voilà, notre petit dispenser a craché à l'aide du briquet une petite flamme, ce qui alimente notre cheminée. Donc on peut recommencer. Hein. Donc on active le passage secret. Et ici, on le réalimente. Tac. Et voilà. Donc c'est magnifique. Donc maintenant, je vais vous montrer. Allez, une petite dernière partie. Bon, c'est, on va dire, c'est pas vraiment le système, mais c'est le moyen d'activation qui, je trouve, est assez sympa. À tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve pour la mise en place au fait de sorte d'interrupteur qui va vous permettre d'ouvrir votre passage secret. Donc alors là, il y a différents moyens. Donc soit vous prenez une table de craft. Donc je trouve ça assez discret, une table de craft. Ça se planque un peu partout. Un jukebox, ça peut le faire aussi, bon, un petit coffre, enfin bref, n'importe quoi, mais qui peut se caser dans le coin en fait, et qui est une petite utilité quand même, pas que vous mettez un bloc comme ça sans rapport dans un coin, ça fait un peu bizarre. Donc je vais reprendre l'idée de la table de craft, comme vous pouvez mettre n'importe quel autre bloc. Donc on va commencer, donc on va continuer un peu notre plancher. Hein. Hop, comme ceci. Et donc là on va mettre une petite table de craft. Au passage, je suis désolé pour le son hein, qu'il y a, c'est pas une très bonne qualité, mais une qualité dégueulasse on va dire. C'est parce que tout simplement, je suis obligé de tourner sur l'autre PC, mon micro il est pété. Et il ne fonctionne plus, il faudrait que je réinstalle tous les drivers et tout, c'est un peu chiant. Donc en attendant, je tourne sur ce PC là. Alors, vous placez une table de craft ici, dans le coin, et en fait derrière, on va... c'est là où, en fait, il y a toute la magie du truc. On va placer... un petit ray detector comme ceci. Vous penchez, vous mettez un minecart à hooper ou à coffre, ça change rien. À hooper, je trouve ça plus sympa car on peut jeter carrément l'objet dans le coin et que ça soit absorbé quoi. Alors que le coffre, on peut pas. Ça rajoute une petite fonction en plus. Hein. Et donc en fait ici, à chaque fois qu'on va balancer un objet ou qu'on va mettre un objet dans le minecart, ce qu'on veut, c'est créer l'impulsion. Qu'on obtient ici pendant un certain temps histoire de pouvoir passer et que ça se referme automatiquement derrière. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va prendre un redstone comparator, torche on a déjà ça c'est bon, hop ça, ouais ça on n'a plus besoin. Je prends un petit bloc vite fait, ça c'est la différence, voilà. Et ici on va comparer le signal, donc justement dès qu'on a un objet à l'intérieur, le comparateur indiquera un courant. Donc, oups, mettez-le en mode normal, hein, pas inversé. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va ressortir le courant par ce bloc. Alors, je vérifie juste un truc. Ouais, le courant, il passe, c'est bon. Et on va créer notre petite impulsion. Hop. Alors, pourquoi une impulsion ? Car tout simplement, sinon, le courant, il va rester. Et même si, comment expliquer ? Si on garde l'objet, tant que l'objet sera dans le minecart hooper, bah, le passage restera ouvert et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est même si on met un petit objet vite fait, bah, que ça s'ouvre et ça se referme. Donc c'est pour ça qu'on recrée une impulsion. Et ici, donc là on a un petit système vite fait, donc on va faire descendre juste le signal, hein, ça va être plus pratique après pour rejoindre ici. Donc voilà, on fait revenir le courant, ça va se rapprocher un peu plus de la source. Et là, on va faire un petit délai. Alors, comment faire ça? Punaise, comment faire ça? Donc on va prendre deux comparateurs qu'on met l'un à côté de l'autre. Ouais, c'est bon, je vais faire comme ça. Pose un bloc, un fil de redstone
et de fil de redstone. Donc on peut tester comme ça. Donc on va envoyer une petite impulsion. Vous voyez le signal, il va rester un court moment. Car il va pas cesser d'être comparé entre les deux. Et tant que ça. Enfin, le signal sera, on va dire. En fait, à chaque fois que le courant fait un tour, il diminue d'une intensité. Ce qui fait qu'on a du coup avec deux comparateurs, je sais plus combien de secondes, enfin bref, on a un petit délai comme ça le temps que le signal s'éteint. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on va directement alimenter ça ici. Prendre un petit repeater histoire d'être sûr. Et là, on va relier tout simplement ceci, hop, à notre source d'impulsion. Hop, voilà. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, on jette une redstone, ou je sais pas, vous mettez un truc. Et voilà, c'est magique. Et voilà, pendant un court instant, on peut rentrer facilement dans le passage. Donc si vous voulez rallonger, hein, vous avez juste à répéter ce modèle plusieurs fois derrière. Bon, après, je trouve que c'est largement suffisant pour passer. Après c'est plus trop secret quoi. Après ça dépend aussi à quelle distance vous mettez à la table de craft. Si elle a l'autre bout de la pièce, forcément il faudra plus de temps. Donc on va continuer un peu le passage ici. Bon, je vais faire un truc voilà, un petit truc basique quoi. On va se faire chier pour l'instant. Hop, comme ceci. Car il faudra aussi le réactiver depuis l'intérieur. Je vous explique. Donc, hop, le passage est ouvert ici. On passe. Il se referme, mais le problème c'est qu'après pour ressortir, bah, on va mettre en place un bouton qui va tout simplement rejoindre ici le courant. Donc c'est vraiment tout bête, hein. Là c'est vraiment la partie la plus simple du tuto. On va prendre un petit bouton, bouton en bois, bouton en pierre. Bon, je vais prendre un bouton en bois car il se voit mieux ici dans ce cas là. Et on va simplement donc revenir récupérer l'impulsion en fait du bouton avec un repeater. Donc si vous le mettez juste à côté comme moi, donc il faudra un repeater car sinon ça joint avec la torche, c'est pas ce qu'on veut. Et on va faire descendre le signal comme ceci. Hop, histoire de rejoindre. Voilà, donc ça chame pas du tout, ça fait un amas de fil, mais bon, ça fait un temps que ça fonctionne. Hein. Voilà, donc le bouton est relié à ce petit système. Et donc quand on va cliquer, hop, le petit passage s'ouvre. Et voilà, c'est magique. Franchement, j'adore ce petit passage, c'est vraiment con. Et surtout, ce que j'adore, c'est vraiment cette petite fonctionnalité tellement bête qu'on n'y penserait pas. Je trouve ça cool, quoi. Franchement, je trouve ça cool. Hop, on met ça, on met à cuire. Enfin bref, on peut dire que c'est cuit au feu de bois, entre guillemets. Mais bon, dans tous les cas, si vous cherchez plutôt l'aspect cuisson de cette cheminée, c'est pas ce modèle-là qui va plutôt vous ravir, mais plutôt l'autre que je vais vous présenter dans ma prochaine vidéo. Qui peut cuire justement un stack de 64 côtelettes, enfin ce que vous voulez, en espace de quelques secondes. Donc ça reprend les systèmes de four automatique avec minecart et tout le tralala, hein, qu'on connaît bien. Mais tout ça inclus dans une cheminée assez compacte, assez sobre. Et ça franchement j'aime bien car on voit vraiment rien. Et en plus on doit alimenter la cheminée en charbon. Enfin bref, je dis pas plus. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou un pouce vert. Ce serait sympa, hein. Même si je fais pas trop de vidéos, voilà quoi, j'essaie juste de proposer de temps en temps quelques tutos comme ça pour. En plus en ce moment c'est la période de Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Allez, sur ce, ciao.